Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Potioncraft. Donc on venait de boucler le chapitre 1, commençons le chapitre 2 avec un jardin qui a régalé. Hein. Pareil, nouvel ingrédient, je connais pas celui-là. Ah oui, ça marche pas, hop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il zigzague direct sur le poison. Oh, le champignon pur, comme il est mignon. Voilà. Il veut pas me faire descendre plus. J'aurais voulu dégager la vision. Parce que, en fait, ce que je cherche, c'est à faire la popo parfaite. Et j'arrive pas à savoir si là je suis bien ou pas. Ah, la ligne est ici. Je suis pas réellement bon. Ouais. Pose-moi ça là. Paraît pas mal. Hop, range-moi ça ici. Tuc, 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 tuc. Donc là, on est sur le poison qu'on connaît déjà. Ah, on n'est pas bon. J'aurais pas le. Je pense pas que j'aurai la popo parfaite. Ouais, on l'a pas. Putain. On l'a pas. On pourra pas l'avoir. J'ai pas réussi à la doser comme il fallait. Voilà, on a une potion de poison. Ça fera le taf. De toute façon, on n'a plus rien. On est des clodos. J'ai besoin d'une potion explosive. Pourriez-vous en concocter une, proposer une potion. Potion d'explosion, mon gars. Mais bien. Hein. Elle est combien celle-là? 2. Faut pas de ta tête quand même, mon gars. 88. Je pense tu peux. Ah, mon multi-cliquage. Voilà. Je dois ouvrir une porte avec mon passe-partout, ne fonctionne pas, vous auriez quelque chose pour m'aider? Alors, bah, je pourrais faire exploser ta porte si tu veux, je pense. Concocter cette recette. Est-ce que je peux te proposer de la dynamite, gros? Cette potion fera l'affaire, mais je paierai plus cher pour une meilleure qualité. Ah oui. Ah, oh, t'abuses. T'abuses, je pense pas pouvoir faire. Si je reprends à partir de là, on est où? Ah ouais, faudrait que je rajoute. Toi là-dedans. Mais j'arrivais pas à savoir si elle est bonne ou pas là. Le jeu, il me le dit pas. Quoi? On termine? Je sais pas ce qu'il m'a fait. Ça reste une explosion de. Quoi? Rien compris. Je. À part avoir tout gâché, c'est tout ce que j'ai compris. Je suis un mage de combat et souvent au terme d'un combat je dois soigner mes blessures et restaurer ma puissance magique. Des potions me seraient bien utiles. Bah oui. Bah en fait il a besoin de. Attends, la parfaite elle. C'est celle-là la parfaite. Hein. Ah, les deux sont parfaites. Cette potion est parfaite. Comment va le roi? Tu lui fais la bise? Cette calice? Tabernacle? Le mariage? Tout ça? J'arrive pas à négocier, est-ce que je multiclique, putain? Est-ce qu'on peut réussir à négocier sans une souris qui pète un plomb? Allez, c'est vendu. Mon échoppe est devenue plus populaire. À qui d'autre vends-tu des herbes? Maintenant, maintes personnes ont besoin d'herbes en ville. Ah ouais, ils ont besoin de weed, hein. Certaines pour assaisonner des plats, d'autres pour préparer des remèdes, et le brasseur s'en sert aussi pour créer de nouveaux types de bières. Oh, on pouvait pas faire un brasseur.
Montre-moi ce que t'as en magasin. Alors, j'ai plus rien. J'ai plus rien, au secours. Je pourrais vendre des choses. Alors, attends. J'achète tout ce qui est pas cher, déjà. Ça, j'ai jamais essayé. Faut que j'en prenne un. Un, j'ai dit, pas deux. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il va falloir que je vende pour lui acheter. Mais en fait, je peux lui acheter. Bon, si je réussis ma négoce, tout se passe bien. Let's go, on négoce. Allez, moins 98. Marché conclu. Ok, on voit la jauge d'XP bouger là au passage. Hein. Terminé. Attendez. Commerce 2, je peux payer? Ils sont 20% plus profitables. Ah, ça va être nécessaire. Hein. Là, financièrement, on souffre. Ok, j'ai besoin d'une potion qui rend rapide comme le vent. Oh, et je n'ai que faire de vos potions faibles. Je ne veux que la meilleure et je vous pourrai grassement. Oui, madame. Bougez pas, ma bonne dame. Un truc... mais comment je fais pour savoir où est-ce qu'elle est, cette potion, en fait? Parce que là, je suis parti pour aller voyager. Je sais pas où je vais voyager, mais je vais y aller, quoi. Allez, on va aller derrière la potion de froid. Je sais pas si c'est derrière, mais... on aurait pu aller aussi au top, tout en haut. Hein. Ça se trouve que là, c'est genre tout en haut, parce que... Jusqu'ici, on m'a pas demandé des trucs hyper loin, on m'a demandé que ce qui était devant, donc... Moi, j'ai envie de dire, je crois au fait que c'est potentiellement la potion qui est en haut, en fait. On est pas mal, il y a un concept, qui se dégage. C'est quoi cette plante là? Éoflore, on n'en utilise pas les éoflores, on les mange hein, visiblement. Non, pas ça. Ça aurait été marrant de voir si on pouvait mettre outils dedans. Alors voilà, là il se passe une dingue, il se passe un truc. On peut même tenter la parfaite hein, visiblement. Je suis pas sûr. Allez, hein, on la teste. Oh, vas-y, gros, elle est parfaite. Là, fais pas chier. Oh, elle est pas parfaite. Fais chier. Petite gouttelette, là, vite fait. Oh, allez, reconnais qu'elle est parfaite. Et il est dur, le jeu en affaire, hein. Potion de célérité. On va enregistrer cette recette temporairement. Et on va terminer la potion. Ah, j'ai pas changé la bouteille. Bon, écoutez. Niveau 2, c'est suffisant? Elle voudrait une potion plus forte. Pas sérieux, ma bonne dame. Moi, je veux bien, hein. Mais non. Mais je suis trop con. Bah oui, c'est perdu à tout jamais. Ouais. C'était bien. Les gars, bien. Bah j'aurais pas plus puissante, hein, ma bonne dame. Hein. Mais vrai. Ça sera négocié quand même. Hein. Tout ce qu'on vient de perdre pour vous, là, madame. Faut que la justice vous le rende. Hein. Alors, vous entendez ce multiclic de la passion? Voilà. 20%. Vent! Voilà. J'ai besoin de potions qui m'aideraient à grimper au sommet d'une haute falaise escarpée. Je paierai j'ai pas. Et je paierai un supplément si la potion est excellente. Puis j'ai aucune chance de trouver ton truc là. Attends. Je veux bien escalade.
Escaladas. Moi, je veux bien tenter des voyages, hein. Alors, on n'est pas allé plein sud. On n'est pas allé plein sud. On peut se dire que c'est peut-être genre là derrière ce machin là. Normalement, j'aurais pas besoin de plus que ça. De toute façon. Voilà. Il faut réussir à mettre notre potion sur. En fait, on voit qu'il y a une légère ligne. Voilà. Là, je suis normalement sur la légère ligne en question. C'est une potion de force. Parfait. On va trouver une bouteille stylée. T'inquiète. Une bouteille qui a l'air de rendre viril et musculeux. Oh, genre la bouteille taille en V, quoi. C'est plus taille en V, quoi. Trop viril. Moi, ça me fait marrer. Let's go. Trop viril. Oh, c'est trop grand. Oh, non. Ah, bof. Oh, elle est tellement virile que même l'étiquette est virile. Oh, même l'étiquette sur la puissance ancestrale, là. Ah, ouais, c'est ok. Non, mais ça, c'est bon, ça, on s'en fout. On va enregistrer cette recette. On va terminer la potion. Alors, j'espère que ça, c'est ça. Parce que si c'est pas ça. Ah, il ne veut pas de cette potion. Il existe vraiment une potion d'escalade. Alors, vu qu'on a plein de trucs comme ça, on va aller continuer dans le sud, hein. On va aller visiter du pays, hein, comme qui dirait l'autre. Oula, oula. Oui, bon, dégage. Parce que je vois qu'ici il y a un passage, mais je me dis je vais passer par la force pour y aller. Peut-être pas besoin de plus. On va garder ça comme ça. Ah, là ça partirait à droite. Moi je vais aller à gauche. Ouh, il y a un gros pactole d'XP là. Gros pactole de Pex. Ah là, il y a un choix à faire. Hein. Allez, le pactole de Pex. On va aller se balader. Un point de talent. Je prends pratique alchimique. On voit un peu plus loin. Ça n'a pas l'air d'être une dinguerie. J'aimerais quand même aller voir à gauche. À gauche, avant de descendre ou de faire quoi que ce soit. Je sais pas où on va avec cette potion, mais on... sachez qu'on y va. Hein. Putain, c'est pas possible, il va bien y avoir un truc par là quand même. Oh, putain. On s'est dit on va en bas à gauche. Hein. J'avoue que j'ai beaucoup hésité à aller en bas à droite là, pour le coup. Pour moi, ce qu'il est en train de m'indiquer, c'est qu'il y a une potion là, en fait. Ouais, tu sais quoi? Dégage-moi ça. Pour moi, il y a une potion là, dans cette ligne-là. C'est ça, il y a une potion ici.
Ok, donc on a quand même des indications, on n'est pas non plus tout seul sur cette carte. Ok. Si je vous ai donné envie de faire pipi, je suis très content. Potion forte de peau de pierre. Alors, c'est pas du tout ce que je cherche, mais nous avons une nouvelle potion solide. Alors, par contre, il te faut une étiquette, mais destroy, quoi. Genre, au moins, on l'a mâché, quoi, tu vois. Ouais, non, celle-là, elle est parfaite. Il me faut un pot en pierre, quoi. Vraiment, le... Le pave. Est-ce que t'as un pave? Genre... Ah, pas mal, ça, hein. Bon, pas dingue. Oh, pas mal. J'aime bien. Ah, genre le pot à baume, vraiment. Pas mal, le pot à baume, j'aime bien le style. Oh, ou vraiment la jarre, quoi. Achète ta jarre, achète ton gros pot. J'hésite entre cette jarre-là et le baume. Ok. Voilà. Couleur un peu soutenue. Potion donc de peau de pierre. Parfaite, évidemment. Hein. Peau de pierre. Parfaite. Enregistré. Terminé la popo. Mais c'est toujours pas ce qu'on cherche. Il me donne des pistes l'autre, il a l'air de me dire qu'il y a des trucs qui partent par là. J'ai une ligne qui part par là aussi. Je me demande si ce serait pas... là-haut, là. Mais l'idéal... Ah oui, mais le problème c'est que monter, financièrement, c'est pas possible, quoi. On pourrait aller à droite. On pourrait tenter ce truc-là et donc aller à droite. Ok, donc on a un truc là-haut. Ouais, dans le doute, on va se le tirer jusqu'au bout. Ok. Est-ce que ça me fait prendre à partir de maintenant ou à partir du point que j'ai défini? Ouais, non, ça me fait prendre à partir de maintenant. Ouais, il va falloir aller de l'autre côté. Et on s'aligne là. Là, on est aligné. Hop là! Qu'est-ce qu'on a ici? Potion de dextérité. Alors... respirer entre deux, hein. Potion de dextérité parfaite. Ok. Popat. Ah, on peut changer carrément le logo. Oh. Voilà. Je mets une botte. Ouais, les couleurs me vont. Un truc un peu palo. Ah. Étiquette, il nous faut une étiquette rapide. Rapide! Voilà, une étiquette rapide. Il nous faut une bouteille qui est rapide. Ouf. Elle signifie la rapidité quand même. Hein.
Il y a des bouteilles qui ressemblent à rien, c'est incroyable. Le bidon, peut-être pas. Ok, vapeur rapide, c'est rapide. Rapide, c'est rapide. Enregistre, termine. Ok. Sauf que lui, il veut toujours un truc pour escalader, hein. On n'y est toujours pas en fait. Grimper au sommet des falaises. Je sais pas si Dext ça compte. Je peux pas reproduire une potion comme ça là, j'ai pas les. Ouais, j'ai pas les moyens. Je peux tenter ça, mais à mon avis. Ah si, elle est parfaite. Attention bébé, tu vas raquer hein. On prend la thune. J'ai récemment acquis un coffre, mais je n'ai pas la clé. Comment vais-je l'ouvrir? Je pense pas que ce soit ça. Et je paierai plus cher pour une meilleure qualité. Oui, je me doute, mais j'ai pas forcément le budget. Aller faire des dingueries. Et au moins j'écoule mon stock. Ouf. Oh, c'est une journée de la douleur. Oh. Ok. Et ben c'était une petite journée de 20 minutes, mais très riche en potions. Je pense que je vais faire un épisode pas plus long que ça. C'était très bien. Je vous remercie, c'était Knarfank sur comme d'habitude Gaming pour Potioncraft. Et je vous dis à